Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la toute première édition de votre télé-réalité, Le mariage de l'année. Cette émission qui met en compétition, que dis-je, à votre appréciation, le mariage de plusieurs couples. Le concept de cette émission met sur la même scène tradition et modernité, tout en vous faisant découvrir les différentes facettes d'un mariage suivant différentes ethnies. Pour cette première édition, nous vous réservons beaucoup de surprises, beaucoup de suspense et surtout beaucoup d'amour. Ben on vous en dit pas plus, on vous demande tout de suite de suivre le mariage du couple Kabouret, Emmanuel et Flora. Let's go! Emmanuel Kabouret est médecin en service à Bobo-Dioulasso. Il est passionné par son métier et consacre son temps à soigner des malades. Un jour, lors d'un de ses déplacements à Koudougou, il voit une charmante demoiselle qui passait. Waouh, quelle beauté! Il faut que je fasse connaissance avec la belle inconnue, se dit-il. Rapidement, il fit demi-tour. Eh bien, cette belle inconnue n'était autre que mademoiselle Flora Yelemou. Et tenez-vous bien, elle est également étudiante en médecine. De fil en aiguille, les deux se trouvent des points communs, tombent amoureux et se rendent compte qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Emmanuel se propose, après quelques mois de relation, de se présenter à la famille Yelemou pour leur témoigner de tout le bien qu'ils pensent de leur fille. Il faut le dire que mademoiselle Yelemou est Samo et nous vient de Toma. Toma est un département et une commune rurale de la province du Nayala et la région du Boucle du Mouhoun au Burkina Faso, à 190 km de la capitale, et son village est Yaba. Chez nous, les Samo, il y a les Samo de Yaba, il y a les Samo de Tougan. On n'a pas les mêmes façons de faire. Voilà. Donc, nous allons parler typiquement des cas de chez nous. Nous sommes de Yaba, un département de Toma. Nous sommes dans, voilà, de Nayala. Un jeune homme qui croise une fille et qui veut la marier. Donc, il s'entame. C'est pas le jeune homme lui-même qui part dans la famille de la fille. Et il peut envoyer ses copains. Ou bien un membre de sa famille qui peut contacter les parents de la fille. Une fois qu'ils s'accordent, ils s'entendent, donc le monsieur et sa copine, ils se retrouvent chez sa copine avec ses amis, ils échangent. En ce moment, les parents sont informés. Ils sont déjà informés, mais c'est le premier pas, ils ne disent rien. Voilà. Maintenant, si les choses avancent et que le monsieur dira à la demoiselle que lui, il veut faire du sérieux. Donc, en ce moment, on peut s'approcher maintenant des parents. Okay. On envoie les gens pour aller voir les parents de la demoiselle pour préparer maintenant les fiançailles. Et maintenant, on doit choisir le jour des fiançailles. Après le jour est accordé, le principe de la dot chez nous, dans le temps, c'était 5 francs. Ça quittait de 5 francs à 500 francs. Après 500 francs, c'est devenu 5000 francs. 2500. De 500 à 2500, 2500, c'est devenu 5000 francs. La dot chez nous, c'est 5000 francs. Emmanuel et sa famille se rendent dans la famille de Flora. Au lieu de ce déplacement au village comme l'imposait la coutume, c'est en ville qu'ils sont reçus grâce à la flexibilité des traditions et de la religion. Flora a dû répondre 4 fois pour signifier bel et bien qu'elle connaît le beau Emmanuel venu demander sa main auprès de sa famille. Voilà, nous sommes réunis aujourd'hui dans la famille, n'est-ce pas? Bon, on nous dit que c'est pour toi que nous sommes là. C'est vrai, non? Bon, c'est pour toi que ces gens-là sont venus dehors.
Tu le connais? Oui, monsieur, je le connais. Lui qui est à côté là. Tu le connais? Il y a longtemps que tu l'as connu comme ça. Vous avez analysé et vous avez trouvé que vous êtes dans la même trajectoire. C'est-à-dire que vous voyez, vous visez le même objectif. C'est ça, non? Monsieur Kabouré, vous nous avez rassemblés aujourd'hui avec vraiment bon cœur. Donc, vous acceptez notre fille. Bon cœur. Oui, oui. Jusqu'à la fin de vos jours. Elle est Samoël. D'accord. N'allez pas dire un jour la Samoa, la Samoa. Là, il y a Samoa. Il y a Samoa. Laura. Les cadeaux qu'ils ont amenés là, les enveloppes qu'ils ont amenés là, je vais te poser là. On les prend ou on ne prend pas? C'est à toi de me dire ça. Parce que nous n'allons pas prendre des choses qui vont devenir après du poison. On prend ou on ne prend pas? Tu dis clairement. On prend. Ah. Non, je sais. Voilà. On prend ou on ne prend pas? On prend. Ça, c'est deux fois, la femme, c'est quatre. Hein. On prend ou on prend pas? On prend. On prend ou on prend pas? On prend. Ouais, vous avez entendu? La dot, ça se remet à la fiancée elle-même, la fille elle-même, qui doit prendre de ses mains pour montrer à ses parents qu'elle, elle est d'accord avec le monsieur. Papa, voilà. Une fois qu'elle a accepté de prendre les 5000 francs là, elle remet ça à sa maman et ses tantes qui doivent se réunir. Maintenant, le troisième jour, après, trois jours après, elle doit payer de l'arachide. Maintenant, elle va bouillir l'arachide là et aller maintenant avec ses copines, aller remettre à ses copains, à son copain, à son fiancé maintenant, c'est-à-dire son fiancé. Le jour de la dot, on va dire au monsieur que voilà, ta belle-mère, tu dois construire une maison pour elle. Et pour le papa, tu dois quitter son champ. Donc ça, c'est une obligation. Jusqu'à nos jours, ça se fait. Les fiançailles se font pendant la saison sèche. Une fois que l'hivernage arrive, premièrement, ils partent à deux. Lui, il prend un de ses amis. Ils ont quitté le champ de son beau. Après, ils partent à 5 comme ça, 5 ou 6. Et après ça, maintenant, ils vont demander à tout le quartier de les accompagner pour le grand labour. Ce jour-là, ils doivent terminer le champ. Voilà, quelle qu'en soit la superficie, c'est acte de bravoure. Et s'ils terminent et c'est tôt, ils vont quitter même pour les voisins ajoutés. Ils ne doivent pas revenir sans terminer le champ. Après, pendant les récoltes, donc, on va demander à la jeune fille de venir chez le marié pour les aider à transporter les mille à la maison. Arrivé à la maison, le jeune homme va enlever une partie, remettre à la jeune fille. Elle repart chez elle avec ça. Elle va les préparer du dolo. Maintenant, inviter les jeunes pour venir boire. Mais c'est pas pour un cadeau, hein. C'est pour payer. Elles vont payer ça. Et cet argent maintenant, elle va utiliser ça pour autre chose. Donc, pendant la saison sèche, le monsieur, avec ses amis, il doit aller construire pour son beau. Voilà, construire une maison. Voilà. Ah, ça dépendra de la taille de monsieur, la force du monsieur. L'essentiel qu'il construit une maison. Non, c'est pour la belle-mère. Vous comprenez? La maison là. On ne construit pas pour le beau, mais on construit pour la belle-mère.
Après la construction de la maison, maintenant, on envoie une délégation pour aller chercher les femmes. Voilà, ça c'est fait presque la dernière étape pour venir à la maison maintenant. Une ville comme Ouagadougou, on n'a pas de champs. Donc, on remplace les travaux champêtres là, en liquidité. Donc, on remet l'argent à la famille et vont envoyer ça aux parents qui sont au village là, d'aller cultiver au nom de les beaux. Voilà, on donne l'argent pour la construction, c'est symbolique. Voilà, on ne peut pas dire d'envoyer 10 millions ou bien d'envoyer 5 millions pour une construction. Vous envoyez une somme symbolique pour dire voilà, c'est notre tradition aussi, c'est comme ça. Donner une somme symbolique, que ça c'est pour construire pour la belle-mère. Vous le savez, les Mossi et les Samo sont parents à plaisanterie. Là, les Mossi sont malmenés par les Samo qui les obligent à boire un cocktail de Zomkom, jus naturel fait à base de petit mil dont eux seuls connaissent la composition. Ils doivent payer pour éviter de boire cette mixture mystérieuse. Par exemple, si c'est chez nous, le panier est dressé par les mamans. C'est-à-dire la maman et ses soeurs, ses tantes, se réunissent pour dresser le panier. Et le panier a un sens très profond, et surtout en milieu mara. Le sens est très très profond. Et il y a le ça symbolise beaucoup de choses. Vous allez voir que dans le panier, on met des pains. Un pain qui symbolise la fertilité, c'est-à-dire après l'accouchement de la fille, elle devrait attacher ce pain-là. Voilà. On met aussi une calebasse avec de la farine, une calebasse avec du gombo et de sombala. Et on met aussi des plats, on met des marmites, des louches, et une spatule, peut-être deux spatules, spatule pour le taux, spatule pour la sauce. Voilà, ça symbolise le foyer en quelque sorte. Voilà. Ça veut dire que et quand on dresse le panier, c'est le symbole du foyer. Et chez nous, une femme qui se marie sans qu'on dresse le foyer, le panier, c'est comme si elle ne s'est pas mariée d'abord. Et chez les Samos, j'ai vu que bon, leur panier, là, en réalité même, les Samos ne dressent même pas le panier. Voilà. En réalité, ils ne dressent pas le panier. Mais comme il y a le brassage d'ethnie, et particulièrement dans cette famille, une famille où il y a beaucoup de garçons qui se sont mariés, le milieu aidant, la majorité des femmes sont des Mossi. Donc nos premières filles qui se sont mariées là, nous on a dressé le panier. On a dressé le panier. Donc celle qui vient de se marier également, on a préparé son panier qu'on va l'accompagner avec son panier. Voilà. Après le mariage traditionnel, place au mariage moderne. Flora et Emmanuel ont passé de longs mois à préparer ce grand jour. Pour que cette journée soit parfaite, le couple est pris en charge par un institut. Mon ballon d'or m'a touché le cœur, le côté sensible. Dans ma mémoire, ma midi soir comme une mélodie. Quand elle décroche pas le téléphone, je suis perdu. Je l'ai amour, je vais l'ouvrir la porte. Ah, je suis dans la sauce. Tout le monde me dit ça. Elle me fait les couches. Chers téléspectateurs, là il est 2h à ma montre et je vais à la rencontre de Flora. Je vais la réveiller pour savoir comment elle va et comment elle se sent pour le plus beau jour de sa vie. On est devant sa porte, on y va. Let's go. Flora, comment ça va? Elle a l'air assez stressée. Calère. Comment tu vas? Ça va. On voit le smile, mais on sent quand même le stress. Et on voit qu'elle a déjà commencé les préparatifs. Ben, je ne vais pas trop prendre ton temps, on va juste discuter rapidement.
Allez, Flora, comment tu te sens? Dis-moi juste, parle, dis un mot, dis quelque chose. Je me sens bien, je suis heureuse. Sentiment de joie, du coup un peu stressé aussi. Et d'accomplissement. Voilà. Après plusieurs mois de préparation. Oui, oui. C'était comment les préparatifs? C'était un peu chaud, un peu là, mais bon, par la grâce de Dieu, tout ça, tout se passe bien, tout cela. Ok. Et est-ce que pendant les préparatifs de ton mariage, est-ce que tu n'as pas un peu douté de ton partenaire? Est-ce que c'est vraiment le bon? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que ça n'a pas été un peu difficile à ce niveau-là? Non, pas du tout. Même pas une fois? Non. Tout s'est bien passé, bien parfaitement. Passé, ouais. Ben, j'ai entendu dire que Emmanuel, c'est quelqu'un de, on va dire, assez religieux. Mmh. Et toi aussi, peut-être, je ne sais pas. Tout à fait. Alors, pour déstresser un peu, hein, est-ce que tu ne vas pas nous chanter une petite chanson? Mon Dieu. Ben oui, parce qu'il est religieux, je suis sûre que tu as dû chanter quelque chose aussi. Et puis, il a su que cette fille-là, oui. Chante-nous une petite chanson. Je vais chanter avec toi, je te promets. Je vais essayer. Tout est accompli, le voile est déchiré. Tout est accompli, victoire. Tout est accompli, le voile est déchiré. Tout est accompli, victoire. Jésus, ta parole est vérité. Victoire, Jésus, ta parole est vérité. Victoire. Tout est accompli, le voile est déchiré. Tout est accompli, victoire. Waouh! Franchement, la journée s'annonce magnifique. Il n'y a rien à dire. Eh bien, je suis contente pour toi et toute l'équipe de MDA est contente pour toi. Et on te souhaite tout le bonheur du monde. Et après cette si belle chanson, est-ce que tu ne penses pas que ça serait une très bonne idée alors de lever la voix et remettre ces moments entre les mains du Seigneur? Je sais que tu l'as fait plusieurs fois. Pendant l'organisation de ce mariage, c'est important de confier toutes les étapes à Dieu. Mais alors que ce jour est arrivé, je pense que ça serait bien que nous élevons nos voix et puis nous remettions tout entre les mains de Dieu. Alors je compte sur toi pour diriger cette prière et tous ensemble, nous allons prier également. Éternel Dieu, mon roi, nous te rendons grâce pour ce jour, nous te rendons grâce pour ce jour où tu as entendu. Éternel, jusque-là, tu nous as secourus. Seigneur Jésus, je viens à toi ce matin et je te confie cette journée de mariage. Éternel, nous remettons tout entre tes mains. Nous te prions, Seigneur Jésus, que tu accomplisses, que tu termines ce que tu as commencé. Seigneur, que tu fasses que tout se passe dans de bonnes conditions et que tout vraiment se termine bien. Seigneur Jésus, c'est au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ah, c'est terminé. Je vais te laisser continuer à te préparer. D'accord. Parce que tu es en très bonne compagnie. Okay. Et puis, ça dort derrière. Alors, Flora, un gros petit déjeuner pour toi. Merci. De la part de Petit Paris, d'accord, notre restaurant, qui nous accompagne également. Voilà, tu pourras voir... tout ça, tu sois en forme. D'accord. Je peux merci. Compter sur toi. Oui, ça peut aller. Tu as des croissants, des beignets, tu as de l'eau. D'accord. Et puis, ça, je sais pas, ça doit être une boisson énergisante, un jus de fruits. D'accord. Voilà, donc tu as tout ça. D'accord. Et je compte sur toi, je merci. Compte sur ta dame de compagnie. D'accord. Pour assurer ce déjeuner. Chers téléspectateurs, me voici devant la porte d'Emmanuel. Je vais le réveiller. Je vais voir s'il est stressé, s'il a peur, s'il est prêt pour l'un de ses plus beaux jours de sa vie. Donc, on va voir. Alors, Emmanuel. Oui, comment vas-tu? Heureux, ça va. Tu n'es pas trop fatigué, pas trop stressé? Ouais, bon, un peu de fatigue. Un peu de stress, ça va. Ouais. Ouais. Est-ce que dans le processus, il t'est arrivé parfois de douter, de te dire, est-ce que c'est la bonne?
Est-ce que je fais le bon choix? Oui, ça c'est arrivé, mais c'était pas chose. Ça arrive naturellement, c'est... Naturellement. Naturellement. Parce que je méditais beaucoup. Je me demandais, c'est... Même si le cœur... Le cœur aime. Le cœur. Il faut que ce soit la bonne personne. Il faut que ce soit la bonne personne. Donc souvent, on essaie de penser. De penser. De se demander si c'est vraiment elle. Si c'est vraiment elle. Ouais. Et finalement, tu es rassuré que c'est elle. Ouais, moi, finalement, 10 ans. 10 ans, ok. Ouais. Mais qu'est-ce que tu souhaiterais lui dire que tu ne lui as jamais dit en face? Si elle doit voir, si elle doit t'écouter aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux qu'elle puisse savoir? Ce que je peux dire, moi, il y a peut-être pas de nouveau, quelque chose de nouveau, hein, mais pas quelque chose de nouveau. Ouais. Je suis sûr, je veux. Elle connaît tout. Elle connaît tout. Bon, j'ai tout dit. J'ai sorti tous les points. Bon, disons. Même si c'est pas tout. C'est le fond. Le fond, il y a une autre façon de dire, sinon l'essentiel. Mais dis-lui quelque chose. Dis-lui quelque chose. Sois détendu. Sois relax. Dis-lui quelque chose. Laisse ton cœur parler. Sois relax, Flora. Là, je suis pris. Bon, juste lui dire, seulement de croire en moi, de croire en Dieu, comme elle croit en Dieu, de croire aussi que je me suis décidé que vraiment, pour être l'homme de sa vie. L'homme de sa vie. Ouais. Emmanuel, on dit que tu es très religieux. Est-ce que tu peux fredonner une petite chanson? Religieux. Mais Emmanuel, c'est un nom religieux, ça veut dire Dieu est avec nous. Ouais. Bon, aujourd'hui, c'est les actions de grâce. Les actions de grâce. C'est ce qu'on peut dire. Une chanson qui dit ce que Dieu fait inimaginable. Mais tu connais, chante un peu. Ouais. Ce que Dieu fait inimaginable. C'est sûr, cette chanson, c'est moi de l'entendre. Tu m'entends? Ouais. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Wow. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer. Wow, ah, ça c'est une très belle chanson. On va faire une prière. D'accord. Pour mettre la journée entre les mains de Dieu. Ok. Et on va terminer par ça. Pas de soucis. Seigneur, nous te remettons cette journée. Prends l'absolu contrôle. Que tout se passe très bien. Que tout se passe au-delà de notre imagination. Merci. Amen. Sont parés pour les étapes importantes. Et c'est la mairie de Bascuy qui reçoit notre couple pour la première cérémonie. Maman Kanadi, la première vice-présidente, vous souhaite la bienvenue dans la maison commune. J'ai l'honneur de célébrer à cette belle journée le mariage entre M. Kabore Emmanuel et Mademoiselle Yérémie Zolie-Rosine Flora. Monsieur Kabore Emmanuel. Présent. Consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Yérémie Zolie
Rosine Flora ici présent. Oui. Voilà. Moi, je m'appelle Yelemu Zolo Rosine Flora. Acceptez-vous, Monsieur Kabore Emmanuel, comme votre époux? Oui. Donc, au nom de la loi, je vous déclare unis par le lien du mariage. Invite le couple à la suite à cultiver l'amour et surtout le respect au sein de leur couple. Le manque de respect est l'une des premières causes du divorce au Burkina Faso, dit-elle. Elle exhorte donc le couple à cultiver le respect mutuel. Remise du livret de famille vient ponctuer cette belle cérémonie. Emmanuel et Flora sont unis par la loi à présent. Après ces deux « oui » retentissants, direction le temple évangélique Benaja qui verra l'union religieuse des Kabore. Les différents orateurs se succèdent. Tous ont les mêmes mots. Ils recommandent au couple de bâtir leur union sur du roc afin qu'aucun vent ni tempête ne puisse venir le briser. D'inviter Dieu dans leur relation, d'être un couple de prière afin d'être de bons époux et de bons exemples devant Dieu et pour leur entourage. Monsieur Emmanuel, nous avons écouté la parole de Dieu qui nous a révélé tout le sens de l'amour humain. Le mariage suppose les époux s'engagent l'un envers l'autre sans y être forcés, se promettent fidélité pour toute leur vie et acceptent la responsabilité d'époux et de parents. Est-ce bien ainsi que vous avez l'intention de vivre dans le mariage? Mademoiselle Flora, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Emmanuel pour l'aimer fidèlement dans le bonheur ou dans les épreuves tout au long de votre vie? Les bagues sont ensuite échangées. Le pasteur invite les mariés à se donner la main et confirme l'union. Désormais, vous êtes unis par Dieu dans le mariage. Le mariage est par la suite béni par des prières. Ces moments solennels passés, Emmanuel peut embrasser sa femme. Toute
Toutes les formalités d'usage ont été remplies. À partir d'aujourd'hui, le couple Caboret, Emmanuel et Flora s'est formé. Le couple a convié parents et amis à un vin d'honneur pour partager leur bonheur. C'est dans cette belle salle que nos mariés feront leur entrée dans quelques instants. Mais en attendant, recevons les filles et les garçons d'honneur. Si vous avez aimé ce mariage, vous avez la possibilité de leur donner une chance d'être sacré mariage de l'année en votant pour eux. Et pour voter pour eux, vous devez tout simplement suivre les instructions qui s'affichent au bas de votre écran. Capté dans les eaux profondes de Orodara, Babali est une eau minérale pure, agréable, légère et digeste. Babali, c'est une eau minérale naturelle puisée sur un site bien protégé sous le contrôle du Laboratoire National de Santé Publique. Babali est en sachet et en bouteille sous plusieurs volumes, disponible partout au Burkina Faso. Désormais, retrouvez les bonbonnes Babali Prestige et Babali Famille. Babali, mon choix pour ma soif et ma santé. Ils sont désormais mari et femme, et nous allons rester debout. Nous restons debout sur l'accueil, le roi et la reine de la terre en Chine. Un geste très symbolique. J'ai déjà servi. Vous allez prendre vos verres qui sont déjà pleins d'eau. L'eau de vie, c'est la meilleure des boissons. Et nous qui sommes servis, qui avons déjà nos bouteilles et nos verres en main, nous allons ensemble lever les verres avec le couple Caboret. Voilà. Et nos prières de bénédiction vous accompagnent. Les bras entrecroisés, vous allez voir ensemble pour symboliser l'amour que Dieu a placé dans vos vies. Soyez bénis. Et ensemble, on lève les verres. Soyez bénis. Merci pour votre présence. Que le coup
couple Cabaret puisse nous donner le temps de part de ce lunch. Le couple Cabaret va maintenant ouvrir le bal pour nous permettre d'entrer de pieds joints dans ce lunch. Et tout à l'heure, on a dit que M. Cabaret venait d'avoir une reine, mais nous allons souligner aussi que Mme Cabaret aussi vient d'avoir un roi, n'est-ce pas? Il n'y a jamais de trahison, il est là. Voilà, vous venez pour l'ouverture du bal. Et avec la complicité de la régie, nous allons aller pour l'ouverture du bal. Cette phrase très symbolique. Et pour ceux-là qui ont les mains libres, qu'est-ce qu'on va faire pour eux? Félicitations, couple Cabaret, pour nous donner le temps de croix. Merci à vous de me rejoindre à votre place. Que Dieu bénisse cette journée. Chers invités, nous ne pouvons que vous souhaiter bon appétit. Je sais que nous sommes déjà servis, et pour ceux-là qui l'ont encore. Dans cette belle ambiance, un petit jeu de compatibilité est fait pour voir si le couple se connaît bien. Et vous deux, qui aime le plus la lecture? Les deux aiment lire, ça s'applaudit s'il vous plaît. Ils sont bien partis pour méditer la parole de Dieu. Et je sais qu'avec ce point de départ, vous êtes bien partis pour réussir votre vie de couple. Madame Cabaret, Monsieur Cabaret, c'est vous deux. Qui, Madame Cabaret, vous, apparemment vous êtes déjà prête pour lever la chaussure de la dame. Et si je demande qui aime le plus l'argent, vous allez lever la quelle chaussure? Vous levez laquelle? Et la prochaine, la question suivante, c'est, nous aimerions savoir de vous deux, qui conseille le plus? Ah là 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 là. Nous avons affaire à un couple qui se complète. Monsieur Cabaret, madame dit que c'est vous qui conseillez le plus. Et vous dites que c'est madame qui conseille le plus. Quelques artistes ont joint leur voix à la fête. Tu l'as trouvé, tu l'as trouvé, tu as trouvé l'homme de ta vie. Aimez-vous, 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 aimez-vous. Égalité, égalité, égalité entre l'homme et la femme. Égalité, égalité. L'égalité, c'est dans le travail. L'égalité, c'est le savoir-faire. L'égalité, c'est la connaissance. L'égalité, c'est dans la vie. Dans le foyer, c'est l'homme qui est cher. Dans le foyer, l'homme est capitaine. Aujourd'hui, aime-la,
chérie-la, aime-la et chérie-la, aime-la, chérie-la, fais-tu le grâce de l'éternel. Les garçons et les filles d'honneur entretiennent les le moment tant attendu par les célibataires. À quelle chanceuse ira le bouquet annonciateur de futur mariage? Voilà, nous allons ensemble assister le couple et la régie va nous accompagner en fond sonore. Ah là 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 là, le principe est simple. La mariée va tout simplement couper les rubans et celle qui va rester avec le dernier ruban repartira avec le bouquet. La régie, on y va s'il y a quelque chose pour nous accompagner. On soulève très bien. Il nous reste trois vivants. Maintenant, trois vivants. Madame, madame. Elle a gagné, tu prends ton bouquet. On va l'applaudir. Félicitations, mademoiselle. Place à la coupure du gâteau. Un peu de gâteau, très bien disposé. Et monsieur, madame, caméra, une main dans la mer, vont ensemble passer la coupure du gâteau. On y va. Félicitations à vous. On va les applaudir pour nous qui sommes là. Et monsieur Cabaret qui va faire autant pour sa tendre épouse, pour sa reine, pour sa dulcinée. Ah là là, tout doucement avec amour et charme. Ah là là, ça s'applaudit s'il vous plaît. Ça s'applaudit. Pour féliciter les mariés, les invités ont apporté des présents et c'est le moment de les recevoir. Après cette belle réception, le couple est de retour dans la famille Yelemu, où un pot de bienvenue sera offert aux invités venus en grand nombre pour accompagner par la même occasion Madame Kabore chez son mari.
Pendant que la mariée se prépare, la famille Kabore demande le départ définitif de la mariée auprès des Yélémou. La mariée est enfin prête à rejoindre son mari, mais avant, elle devra se plier au dernier rituel des Samo. Flora doit demander pardon à ses géniteurs pour les probables manquements commis depuis son enfance. Il n'y a rien de mauvais, il n'y a rien de pardonner. Donc, il n'y a pas de problème. Entre nous, c'est fini. Tout ce que tu as fait depuis ta naissance jusqu'à nos jours, je te pardonne. Je demande sincèrement pardon. Je demande pardon pour tout ce que j'ai pu faire qui vous a blessé, vraiment. Je demande vos bénédictions. Tu ne m'as rien fait de mal. Une mauvaise sortie tous les temps on se chamaille et je n'ai jamais gardé rancune. Je n'ai jamais retenu quelque chose que tu as fait qui m'a blessé jusqu'à ce que je te garde en rancune. Mais si tu penses que tu m'as offensé, je te donne pardon. Pardon pour tout. Peut-être que moi aussi j'étais souvent offensée. Étant mère, souvent j'ai été dure. Mais c'est pour ton bien. C'est pour que tu sois une bonne femme au foyer. Tout ce que j'ai fait pour toi, c'est pour que tu sois heureuse dans ton foyer. Que dans ton foyer, tu remplisses pleinement hein, tout ce que tu dois faire pour être une bonne épouse. Donc, tu as ma bénédiction. Je te bénis. Va te marier en paix. Va dans la joie. Que ton foyer soit un havre de paix. Amen. Que le Seigneur soit toujours ton appui comme tu as toujours fait. Amen. Que le Seigneur soit l'appui de votre peuple. Amen. Parce que lui, il est le rocher. Voilà, tu t'appuies sur le Seigneur, tu n'auras jamais honte. Ça y est, tout est accompli. Le couple est désormais scellé. Flora est devenue Madame Kabore dans tous les sens du terme. Heureux ménage. Tout est accompli, le voile est déchiré. Tout est accompli, victoire. Tout est accompli, le voile est déchiré. Tout est accompli, victoire, Jésus, ta parole est vérité. Victoire, Jésus, ta parole est vérité. Victoire. Emmanuel et Flora se sont dit oui pour la vie. Nous espérons que vous avez pris du plaisir à suivre cette très belle histoire d'amour. En attendant, nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour de nouveaux numéros de votre télé-réalité, Le mariage de l'année. Prenez soin de vous, soyez heureux, à très bientôt. Le mariage de l'année, le mariage de l'année.